Salut tout le monde, c'est le Paul Guito. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Road to Glory. Donc là j'ai fini les tâches managers, j'attends juste que le balance débloque. Donc il y avait une tâche manager, c'était lister un joueur sur le marché de transfert. J'ai pris Pape Soirée que j'ai acheté au dernier épisode, je l'ai mis à 10 000. Comme ça il partira pas et dans 1 heure on va le récupérer, du coup les tâches managers seront faites. Donc là on va activer ce ballon. Voilà, et du coup là on a terminé les tâches managers, du coup on va pouvoir ouvrir le pack gratuit. Donc j'avais affronté l'équipe de la semaine et tout. Donc voilà, je vais vous dire, c'est toutes les tâches managers, vous avez un pack or, bon c'est un pack à 5 000 mais c'est déjà ça. On va l'ouvrir et imaginons qu'on tombe sur Griezmann, man of the match. Alors, on va pas trop rêver quand même. Un milieu gauche, Vieira, Schöne, ouais, c'est un peu dur de mettre quand même. Il me semble qu'ils sont invendables, ouais ils sont invendables. Et bah on va tout garder. Ah, le maillot des Los Angeles Galaxy domicile, sympa. J'aime bien. Donc voilà, bon c'est un peu des joueurs nuls. Et... ouais non j'ai pas prévu de faire d'équipe avec ceux-là. Merde, c'est pas ça que je veux faire. Voilà. Putain, c'est ouf. Ah c'est là. La galère. Donc on va aller continuer d'acheter des joueurs pour compléter l'équipe que je vous avais montré la dernière fois, c'est-à-dire équipe concept FT, voilà c'est elle. Donc là on va acheter les deux défenseurs centraux, Holger Bastuber, 400 crédits, bon bah c'est très bien, c'est de toute façon c'est le prix minimum je crois, 21 contrats en plus, ah non il a 2000 lui, 7 contrats là, 400 crédits, très bien, on a notre défenseur central. Et Serdar Tachi, 400 crédits, très bien aussi. Ouais, il part dans combien de temps? 1 minute 20, on va le tenter à 350, parce que c'est déjà ça d'économiser 50 crédits. Là, on va recruter Rocha, 400 crédits, très bien, pareil. On va bientôt pouvoir jouer avec cette équipe. Ça va être sympa. Il doit nous rester quelques crédits. Fernandinho, il est hors rare. Ouais, ça c'est dommage. Fernando, pareil. Elouane, pareil. Bon, on va devoir finir nos matchs. Donc là, on va recevoir Serdar Tachi et Pape Soirée. On peut pas encore acheter ces trois joueurs-là, c'est dommage. Dans le catalogue, il n'y a pas des joueurs en prêt qu'on pourrait prendre. Si Oscar Lyonnais, c'est pas intéressant. Les Kiev, pas intéressant. Mongo, pas intéressant. Ouais non. Non non, le prochain joueur qu'on aura, ça sera De Jong et Rondon. Bon, est-ce que Serdar Tachi est terminé? Bientôt. Bon, il va être terminé, du coup, on va prendre notre autre équipe. Pour aller en ligne, ouais, tout simplement, on va prendre... en fait j'hésite à faire quelque chose, de prendre cette équipe là et modifier le peu de joueurs qu'on a. Non, je pense pas que ce soit une bonne idée. On va aller en ligne avec une équipe de merde. Voilà, avec ça. C'est très bien, ça le fait. Ils sont un peu reposés sauf Barnetta. Ouais, putain, c'est la crise pour lui. On s'en fout. On s'en fout clairement. Je le ferai sortir. Donc voilà, on a une équipe. Ouais, bon bah. Après, Vidal va vite s'épuiser en prêt, donc... je prendrai un autre milieu de terrain du Bayern ou allemand. Donc là, on part chercher un adversaire et on part pour le premier match de cet épisode. Donc on a trouvé un adversaire, Juco FC avec les questions du PSG. Non, on va jouer le maillot avec le maillot des Los Angeles Galaxy, je trouve sympa. Putain, son joueur me dit quelque chose. J'ai envie de te reconnaître. Ouais, bah non. En tout cas, elle est une très très belle équipe. Et juste Matic, non Matic il a pas du tout de collectif. Higuain il a pas tout le collectif, pareil pour Carlos Tevez, sinon c'est une belle équipe, bah pareil Verratti n'a pas tout le collectif, Matuidi non plus. Philippe Luiz non plus. Non c'est mais bon ça reste une belle équipe avec des bons joueurs. Oh là 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 là, déjà un poteau pour notre adversaire. Et Gabriel Barbosa. Oui! Très belle frappe de Gabriel Barbosa, 1-0. Allez, vas-y.
Bien joué. Boah, il y avait presque faute quoi. Voilà, s'il serait tombé, il y aurait eu faute en fait. Bien joué Tonio, excellent. Oh là là. Tevez, Sasazuma. Oh, bien joué Lionel. T'as, t'es pas un Zuma pour rien. Et merde, et merde, et merde. Encore un super... Non! Non, y a pas péno. Oh mais non. Ouais, c'est limite quoi. Allez, c'est Doucy, on te connaît. Meilleur goal du monde. Ouais. Égalisation sur penalty de Carlos Tevez, donc de notre adversaire. 1-1. Allez, bats-toi Tonio. Oh là là, le but dégueulasse. Fait chier. Bon, 2-1 pour notre adversaire. Allez, Gabriel Barbosa. Mais 400! Oh là là! Putain, il va falloir bosser ça l'entraînement, mon petit gars. Allez, Gabriel Barbosa, ce coup-ci, tu te rates pas, Gabriel. Et si tu te rates? T'es nul. Oh là là, mais bravo, mais il est trop chaud. Oh putain. Ah bah ouais. Putain, j'appelle pas ça à courir. Hein. Oh là là, la claquette de Seydouci, il est très très bon. Et on va perdre le match. Oh là là, je suis deg. Ah ouais, d'accord, il va jouer dans le petit angle là. On va lui casser les jambes à son Matic. Allez, dépêche-toi, Borsi. Pars. Pousse ta balle. Tu pousses ta balle. T'arrêtes de la pousser, tu la donnes. Putain, mais Castro, un jour, apprends à faire un contrôle. Voilà, bon. Fin du match. On perd 2-1. Oh là là. Rien. Voilà. Homme du match, Gabriel. On va acheter... Fernando, je pense qu'on va pouvoir acheter Fernando ou Fernandinho. Enfin, ou Luan, parce que Fernandinho va coûter un petit peu cher. Alors, on a récupéré Serdar Tachi. Placer mon équipe active. Ah non, c'est envoyé au club. On va l'envoyer au club. On va acheter Fernando pour... Ouais, bon, on va acheter Luan. C'est dessus. On va pas sur Chi, non. Tu coûtes combien, garçon? 700 crédits, il y en a. 7 contrats, 99 de forme. Très bien. On prend lui. Et il nous reste 382 crédits. Donc on va rien lâcher du tout. On va aller partir sur notre match. On va juste faire un truc. Alors déjà. On va mettre nos remplaçants. Et c'est tout. Voilà, donc après on a qui d'autre comme joueur qui pourrait jouer Schöne. Hop, il y a Diawara, Andreas Beck, je crois que ça s'appelle Andreas. Slitim, c'était nul. Oh, bah non, il jouera pas lui. Vieira. Schöne, Diawara à place de lui. Andreas Beck à droite. Qu'est-ce qu'il s'appelle vraiment Andreas? Ouf. D'accord, très bien. Ouf, Vieira. J'hésite à enlever Bolasie pour lui garder des jours en prêt, mais il doit pas coûter trop cher. Alors Barnetta, il a 59 de forme. On va le faire se reposer, on va faire jouer Vieira. Voilà. Et on va partir comme ça. Ça fait déjà une équipe un peu plus... Je dirais pas compétitive, mais... On va peut-être pouvoir mieux jouer avec. Donc on part pour le deuxième et sur mon dernier match de cet épisode. Je vous explique. IE nous a encore mis une douille, ces enculés. Enfin, et ça a quitté le match. Alors, on a vu les joueurs. Ça a planté, de toute façon, vous verrez le gameplay.
5 000 des joueurs, ça a planté. Donc par exemple, Vidal a encore perdu un contrat. Bon. Déjà, il faudrait que je trouve un autre milieu de terrain du Bayern pour notre équipe. Bon, là, si on a encore perdu, heureusement, il en a 8. Mais ça commence vraiment à me saouler. Yeah. Je suis pressé d'avoir mon AVerMedia pour faire les vidéos sur la Xbox. Ce sera de meilleure qualité, de toute façon, rassurez-vous. On a retrouvé un adversaire, Torrella Vega. On va jouer avec le maillot bleu. Il joue avec son maillot orange. Et c'est parti. Oh, voilà, une équipe or, full or. Pas forcément avec des bons joueurs. Enfin si, Koscielny, Laporte, Spilicueta, Valencia. Ouais, c'est une équipe sympa. Pas beaucoup de collectifs. Oh non, l'arrêt du goal! Je la voyais au fond. Il est bon Diawara, je trouve qu'il est assez rapide de toute façon. Bon, c'est la première action où l'utilise, mais on verra après, mais je le trouve assez rapide. Allez, ouf, bec. Allez, allez! Oh là là! Et voilà, but pour notre adversaire. But de Cameron Jerome, 1-0. Gigo, qu'est-ce que tu fous à avancer comme ça? Ça... Putain, voilà! Je vous jure, je vais péter un plomb avec cette équipe de merde. Gigo qui fait n'importe quoi, qui se retrouve là devant à 100 mètres. Et Vidal, non mais Vidal. Le pire joueur avec lequel j'ai joué. Je vous jure, les milieux de terrain que j'avais sur Mériton Up, ils étaient meilleurs que Vidal. Oh Vidal! Bien joué, alors là, vous êtes vraiment que des chefs, vous tombez tous par terre. Allez, mettons quatrième, voilà. Je vous promets, les deux là, Vidal et l'autre là, l'autre merde là. Les deux, hop, ils tombent par terre. Qu'est-ce que tu veux jouer avec des joueurs qui se mettent par terre? Alors franchement, je les ai pas touchés. Je les contrôlais même pas. Voilà, fini. Enfin. Je vais faire un troisième match. Ça me saoule là. Je vais faire un troisième match, je vais faire des modifs, je vais jouer avec mon équipe qui est prête. Donc voilà, j'ai attendu que Paf Soirée soit fini. Enfin, je l'avais mis en vente pour pour les tâches manager, j'ai attendu que ça soit fini, dans le micro. Et donc, il y a quasiment tout, sauf Fernandinho, donc j'ai mis Tranquilo Barletta en attendant. Et on part pour jouer le troisième et dernier match de cette vidéo. On a trouvé un adversaire, Namek. Avec un écusson assez sympa, je crois que c'est le FC Vaduz. Donc j'ai vendu le maillot des Boca Juniors en vente rapide parce qu'il me saoulait et ça fait un peu plus de crédit pour acheter Fernandinho. Il nous fait quoi? Ouais, voilà, c'est bon. Donc l'équipe a l'air assez sympa, c'est dommage qu'on n'ait pas encore Fernandinho. Voilà. Ah, il a une équipe de base, en fait. Avec trois joueurs or. Dont Nolan Roux. Un petit joueur de Liverpool là. Anglais, milieu gauche. Je sais pas qui c'est. Bolasie. Tachi, oui! Premier but de cette équipe. Marqué par Sardar Tachi. Sur un corner, sur un centre de Bolasie. Bon, ça c'est bien, comme ça on va peut-être pouvoir enfin gagner un match. 1-0. Tachi. Bien tenté, c'est essayé. La tête de Bolasie, Luan. Rocha. Ouh, le beau but de Rocha. Notre défenseur droit. Donc pour le moment c'est deux défenseurs qui marquent. Mais bon, au moins on gagne 2-0. Ouh, bien joué Vidal. Ah, Vidal il est plutôt. Là je le trouve vraiment meilleur. Il est dans une position plus défensive. Et il a du collectif tout simplement aussi, donc ça aide un peu. Et ouais, je le trouve meilleur. C'est bien. Regardez, il monte très vite Vidal, on le voit avec ses chaussures roses là. Avec Gabriel tout seul. Tu tentes. C'est qui est venu t'aider? C'est Serdar Tachi, le défenseur central. Le doublé de Serdar Tachi, le défenseur central. Qui a monté tout le terrain. Tout le terrain pour venir aider Gabriel et qui a fini par marquer. Franchement, c'est ouais, c'est un super appel qu'il a fait en fait. Il est monté tout le terrain
est arrivé, il a évité le tacle, il frappe, petit filet. 3-0. Luan. Luan. Centre fort. Oui, c'est bien joué. Le centre très fort à ras de terre. Et Barnetta qui vient concrétiser avec son pied droit. Ouais, c'est plutôt bien joué. Je crois qu'elle est un petit peu déviée, mais... Mais but de Barnetta quand même. Oh, Fernando, le récupérateur. Bien joué. Allez, Barnetta, tu finis. Et le doublé de Barnetta. Pleine lucarne en plus, celle-là. Belle frappe. Ouais. Je crois qu'elle est pleine lucarne. Bien joué, Ulreich. Bien joué, Serdar. Oh là là. Une des seules actions de l'adversaire. Allez, Vidal. Bien joué, Barnetta. Allez. Ouh, il a tenté de le... La frappe de loin pour mettre son triplé. C'est pas passé. Allez, hop. Oh là là. Il est trop beau. Superbe but de Luan. Sur un corner, bah un corner content que je tente souvent. Là, c'est passé. Belle enroulée. Victoire 6-0. Enfin, une victoire dans cet épisode. Donc, là, l'équipe, celle-là, elle me plaît beaucoup. Ah, du match Luan avec une note de 9-8. Barnetta de 9-6, ouais, elle était partout. Même Vidal a été très bon. Rien à dire. Dommage qu'il se mette maintenant à devenir très bon. Donc, je pense qu'on devrait pouvoir racheter Fernandinho. On va voir ça tout de suite. Bon, notre bilan, il est de 2-2-2. Ça, c'est à retenir. Donc, est-ce qu'on peut acheter Fernandinho? J'espère que oui. Allez. Ouais, on peut l'acheter. C'est bon, on a assez. 10 contrats à 86 de forme. Non, on va prendre un MC. Même s'il a moins de contrat. On a acheté Fernandinho, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe. Voilà, donc on va aller regarder du coup ce que ça donne. Barnetta, je suis désolé, t'es très bon, on te met sur le banc. Et Lionel Zuma, tu retournes dans la réserve. Et voilà, Fernandinho. Donc notre équipe est au complète. Tout le monde a son collectif. Bon, il n'y a que Fernando qui a 8. Et sinon tout le monde a son collectif, ça fait une très belle équipe. Enfin, ouais, je trouve que ça fait une belle équipe. Enfin, bientôt changer Vidal, donc je pense que je vais prendre Sébastien Rodeux comme je vous l'avais dit. Et donc voilà, on est une belle équipe. Donc, pour le moment, je voudrais juste regarder. Ouais, 7 matchs, un but et une passe D. Ouais, c'est léger pour l'attaquant. C'est très très léger. Donc je pense qu'il y a Pato aussi qui devrait faire son arrivée. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. Moi également plu. Heureusement qu'on a pu jouer avec cette équipe en fin de vidéo. Donc partagez la vidéo, abonnez-vous, ciao les gars.